D'abord, les néo-romantiques. C'est celui et celle qui porte de la dentelle, des décolletés généreux, du satin, du velours, des jabots, du frou-frou, des lacets. Il va à des pique-niques dans les jardins à la française, son livre préféré « Les fleurs du mal » de Baudelaire, sa chanson « Clair de lune » de Debussy, son film « Nosferatu » de Murnau. Le goth rock, c'est la résille, le mini-short et le bruit du zip mêlé au craquement de cuir. J'aime bien ça, moi. Des crochets, des lanières, des piercings partout. Le gothic rock a sa chambre tapissée de posters de Robert Smith et aime le look androgyne de Placebo. Ensuite, c'est le post-punk. C'est le revival du No Future londonien. Les Sex Pistols viennent de sortir leur nouvel album. Et on aime le côté sombre de Vivienne Westwood. On met des collants serrés, très serrés. On a du gel plein les cheveux et du noir plein les yeux. Et pour finir, c'est 2020, c'est la science-fiction et c'est le look cyber. Des tuyaux, encore et toujours des tuyaux pour manger, pour se coiffer ou pour danser sur de l'électro et de la musique industrielle. Du fluo partout et une collection de DVD hallucinante sur laquelle trône Metropolis de Fritz Lang et Blade Runner de Ridley Scott. Voilà pour le tour d'horizon des quatre courants majeurs de la mode goth. Le goth moderne a tendance à mélanger tous ses styles à l'image de Stéphanie qui a vu toute l'évolution des 30 dernières années de look gothique. Pour elle, c'est une manière assumée de se jouer des époques et du temps qui passe. À l'origine, ça c'est du cyber goth. C'est des cyber goth, les pompes, voilà, donc. Non, les fluffs. Ouais. Les machins à pois poils. Ouais. Si je les enlève, ça c'est plutôt, on va dire, industriel. Tout ce qui est matière vinyle ou des choses comme ça, c'est industriel. Ouais. Mais moi, je mélange de tout. D'accord. J'ai pas un style. Je peux mélanger d'une chemise à jabot en coton avec du vinyle. Ouais. Ou du velours avec du vinyle. J'ai toujours du vinyle. Niveau vêtements, tu vois, je mets des plaques électroniques sur mes chaussures. Tu vois, je mets là. Des vis. Ouais. Je customise, je mets des tuyaux à l'intérieur. Je peux mettre des lumières pour aller en soirée ou des trucs comme ça. Là, on peut dire, aussi que ça, c'est néo-romantique aussi. Voilà, les manchons. Ouais. Là, je les ai brûlés. Ouais. Là, je fais ma conne. J'en mets mes chiots. Allez, les toutous, on se calme. Les gants? Bah, les gants, ça fait un peu rock. Punk. Punk rock. Ouais. Vinyle, on peut penser que ça fait SM, mais bon, bah voilà, quoi. Sertaille, c'est ce qu'il y a de plus classe. Les femmes en ont tellement porté pendant des années à en souffrir. Ouais. Parce que je veux dire, celui qui veut essayer de me violer comme ça, il y en a pour un mois. Hein. Ah ouais, je suis harnaché. Il y a tout enlevé, c'est pas la peine. Tout le monde prend des photos, hein. Même les lentilles. Je sors jamais sans mes lentilles. Ouais, ces lentilles-là, ça va, c'est facile à porter, ça. Non, mais moi, je les ai tout le temps, depuis 6h ce matin, je les ai. Depuis 6h ce matin, et je vais ouais. les garder jusqu'au soir, je montre pas mes yeux. Tu sais, il y a tellement de souffrance dans le monde, je me mets une barrière sur les yeux. J'adore. Moi aussi, je m'adore. Allez, on continue à se balader. Ceci dit, on a quand même des yeux magnifiques dessous. Des magnifiques dessous. Non, non, des magnifiques des yeux. Des yeux magnifiques. Ah, des dessous. Yeux magnifiques. Ah oui, non, mais des magnifiques dessous, on en a aussi. Heureusement. Mais ce qui est incontournable pour les goths, ce sont les new rock. C'est pour elle que tout le monde vient voir Cara, la spécialiste de ces semelles compensées vertigineuses. Combien de centimètres? 9. J'ai 9 ou 13. Là, pour le moment, j'ai de la 9 cm, mais je peux avoir de la 13 cm plus tard. D'accord. Et Cara sait exactement quel new rock fera le bon look. Justement, ce look, c'est vrai qu'il passe pas inaperçu quand on a des, des chaussures comme celle-là. Ouais. Est-ce que ça a marqué, ça a marqué, ça c'est ça des... c'est le rêve de tout gothique, tout jeune gothique de 15 ans. C'est très chargé, très ostentatoire, on va dire. On le remarque. Ouais. Mais en fait, pour certains, c'est leur début, donc ils ont. Certains, ils en font un petit peu trop, je leur dis à chaque fois. Mais c'est le rêve de tous. Donc, bien sûr, quand un gamin arrive avec sa maman pour se faire offrir sa première paire de New Rock et qu'il lui présente ça... Pas fastoche. Je lui dis, non, mollo, hein, on va commencer par quelque chose de plus soft. Celle-là, tu la mets avec des chaussures, enfin, avec un pantalon, et c'est quand même assez discret, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà.
Ça coûte à peu près 200-300 euros pour une paire 200 à 300 euros ouais. pour une paire de chaussures. En fait, le prix ira en fonction du travail qu'il y aura sur la chaussure. C'est quoi la clientèle GOAT aujourd'hui? Alors, c'est des jeunes, c'est les plus jeunes, j'en ai des tout petits. Ouais. Ils suivent les parents, en fait. Ils suivent les parents. Ouais, je suis j'en ai des. Mon 10 ans. 10 ans le plus jeune, mais bon, c'est... Mais il vient tout seul, ici ? Avec ses parents. Il vient avec ses parents. Il vient avec ses parents, il achète un t-shirt, un sweat, un petit bracelet, ouais. avec des petits clous, mais il est heureux avec ça. D'accord. J'en ai d'autres qui ont majoritairement entre 15 et 17 ans. Ouais. Donc moi, je suis là, à chaque fois, je suis là pour faire le tampon entre le jeune et le parent. Mm-hmm. La maman qui n'accepte pas que son enfant soit goth, parce que malheureusement, il y a des mauvais clichés qui ont été véhiculés par les médias. Mm-hmm. Et lui dire, madame, vous voyez, on peut être gothique et réussir dans la vie. Mm-hmm. Et là, je viens à la troisième catégorie, des gens qui sont bien installés, des ingénieurs, ouais. des consultants, des infirmiers, des médecins. J'ai ouais. vraiment tout le monde dans ma boutique. Mm-hmm. Une femme de 34 ans, qui est gothique depuis 22 ans, est-ce qu'elle a essayé d'autres métiers? Est-ce qu'elle a eu d'autres métiers? Je travaillais pour des ministères. Travaillé pour des ministères. De la Défense. Ouais. De l'Intérieur. Ouais. J'ai travaillé dans la restauration, mm-hmm. dans l'hôtellerie. Dans les banques. Dans les banques. Ouais. Voilà. Tu t'habillais comme ça? Malheureusement, non, tu peux pas. Dans notre société, les gens sont... Et puis, de toute façon, il y a des métiers où tu dois le porter en uniforme. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est gothique, dans la vie tous les jours, il peut pas être policier? Si, justement. T'en connais? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Je connais des policiers, je connais des infirmières, je connais des pompiers, je connais tout le monde. D'accord. Une apparence, un look pour lesquels on est prêt à dépenser sans compter. Ce samedi, c'est justement la journée shopping pour Andy et sa copine. Et c'est devant la vitrine d'un magasin goth que je les retrouve. C'est à l'arrêt, là. Ouais, c'est sûr. Coup de cœur sur des plateformes. Sûrement mon futur achat. Ça coûte combien, ça, à peu près? 350 à 400 euros, même beaucoup plus haut parce qu'il existe aussi des plateformes 50, 60 cm. Combien de temps tu travailles pour te payer une paire de pompes comme ça? Ici, j'ai travaillé pendant 3 semaines complètes et bon, ça m'a payé quelques fringues, mais voilà quoi. Pour des pompes comme ça, un mois de travail quoi, largement, en faisant des petits boulots et tout ça. Quoi. D'accord. Donc voilà. Et c'est plutôt les noirs ou les petites à paillettes? Plutôt les noirs, mais celle à paillettes, j'aime beaucoup. C'est assez coloré tout ça et c'est flash, donc pourquoi pas. Et quand ils sont à Bruxelles, Andy et sa copine font toujours un détour par le Hard Rock Market, the place to be des accessoires goth. C'est une boutique qui existe depuis assez longtemps et c'est fort connu ici à Bruxelles pour tout ce qui est bijoux et tout ça.